On vous manipule par rapport au verset du Coran. Et cette vidéo va le démontrer, Inch'Allah. Restez attentifs. Ici, il y a une personne qui a utilisé un verset qui se trouve dans le Coran. La Sourate 2, verset numéro 191. Waqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Et tuez-les partout où que vous les rencontriez. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Bah regardez, ça prouve que l'islam justifie les attentats et les crimes terroristes. Et pour vous mettre en confiance, il va citer la référence du verset. Bien évidemment, c'est facile parce que tu sais pertinemment que personne n'ira vérifier. Et la deuxième des choses, il va placer un point à la fin du verset pour vous faire croire que la phrase est terminée. Il a coupé volontairement devant vos yeux le verset en plein milieu. Et il sait pertinemment qu'il a coupé le verset. Regardez maintenant le verset de manière plus complète. Wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Et expulsez-les de là où eux vous ont expulsé. Et cette partie du verset, elle a été volontairement cachée. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va expliquer le début du verset. On n'est absolument pas dans un contexte terroriste ou bien d'attentat. S'attaquer à des innocents, à des faibles, à des citoyens, à des civils, à des femmes, absolument pas. On est dans un contexte de l'époque d'il y a 15 siècles. Les polythéistes qui habitaient à la Mecque, ils ont forcé les musulmans à quitter leur terre. Ils les ont chassés, ils les ont contraints à l'exil. Et plusieurs années, Allah, elle dit, et expulsez-les de là où eux vous ont expulsé. C'est ça le texte, mais il a été coupé en plein milieu. Il a caché exprès la partie qui le dérangeait. Et pourtant, c'est un fait qui est relaté partout dans le Coran. Ici, Allah, il parle de personnes qui ont expulsé les musulmans. Mais dans la sourate 60, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il indique que les personnes, même si elles ne sont pas musulmanes, qui n'ont pas aidé à nous chasser de nos demeures, il n'y a aucun problème avec ces gens-là. Et ça, c'est toujours dans le Coran, mais personne ne vous en parlera. Restez vigilants, restez très concentrés. On est face à un groupuscule de personnes qui manipulent et qui jouent avec la conscience. Ils savent s'y prendre, ils sont très astucieux. Ils coupent les versets en plein milieu, petit montage, musique d'ambiance. Allez-y, entretuez-vous maintenant. Donc faites attention, cette manipulation de masse existe depuis très longtemps. Soyez vigilants, prenez conscience de ça. Ne partez pas dans la stigmatisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum.